Bonjour, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Et non, ce n'est pas qu'est-ce que c'est. J'ai pris un petit peu de retard sur la dame noire. Normalement, ça aurait dû être cette vidéo. Mais sur 25 ou 30 essais, zéro réussi. Tellement que c'est complexe et enfin, c'est beaucoup de travail. Surtout pour lire mon script et tout. Il y a tellement de mots diversifiés, quoi. Tellement d'histoires, il y a tellement de comparaisons entre la dame noire et la dame blanche et ainsi que d'autres dames d'entité quoi. Donc voilà. Et avant d'attaquer analyse et débunkage, je vais faire une petite remarque. Malgré que j'aime pas qu'on parle politique et religion, bien sûr, ça divise, mais à mon point de vue. Comme vous savez, dans 2 ans, je crois, ouais, 2 ans, Macron finit son quinquennat. Et il sait qu'il ne pourra plus se présenter. Pour moi, en gros, pour ne pas mettre fin à ce quinquennat dans 2 ans, prolonger son truc, vous allez voir qu'il va déclencher une sacrée guerre avec la Russie, quoi. Parce que là, ce moment, t'es en train de foutre le bordel. Après avoir jeté 200 milliards d'euros, fait l'Europe même, pas que la France, en Ukraine, ça suffit pas sur les ailes. Et vous allez voir que. Il va envoyer 300 hommes, je crois, je sais plus. Il va envoyer une grosse troupe en Ukraine là-bas. Vous allez voir, ça va foutre le bordel. Et il prépare une future guerre. Voilà. Vous avez compris, pour le juste un séjour, quoi. Il est trop bien, moi, je suis allé là-bas. Bon, voilà. Plutôt qu'aider les pauvres paysans, vise à eux, bon courage et force à vous, les gars. Et pisciculture et compagnie. Voilà, allez-y à fond. Bon, allez, maintenant, nous allons attaquer une petite analyse, voire débunkage sur une équipe paranormale. Alors, je ne sais pas si. Enfin, moi perso, je sais pourquoi. Je vais pas dire que je suis convaincu que oui. Donc, est-ce qu'ils font du fake ou ils interprètent mal les situations? Situation exprès ou pas, c'est à vous de juger. Donc qu'ils prennent pas ça pour une attaque, c'est juste pour les aider à comprendre leur erreur. Après, est-ce qu'ils ont fait exprès de mal interpréter une situation pour créer une scène spectaculaire, quoi. Voilà, quoi. Du coup, nous allons attaquer une petite analyse des blocages comme vous voulez sur eux. C'est TH paranormal. Alors, nous allons aller directement à la 39e minute. Non. À la 39e minute. Oui, c'est là. Hop. Voilà. Nous allons agrandir. Et si vous êtes des chiens à aboyer un peu partout, c'est normal. J'ai la fenêtre ouverte. Chez nous, c'est bon. On est à 24 degrés environ. Pas 24, à 20 quelques degrés. Entre 15 et 20, nous sommes. Pas où vous allez, allez, nous allons lancer ceci. Je vous laisse voir cette partie là et nous allons y revenir après. C'est quoi tout ça? C'est quoi cette tâche? Est-ce que vous pouvez vous apparaître dans ma caméra? Attendez, je vais monter le son. Bon. Jeannot. Exactement. Cause. À cause de quoi? Attendez, je baisse ça alors du coup. Pourquoi ça fait du bruit maintenant? Je sais pas. Bref, c'est pas le plus important. C'est bizarre parce que sur YouTube, ça marque 39, là c'est plus tard en fait. Oh, tu confonds nos chiffres. Bon, allons-y. Où ici? Trop de lumière, les amis, c'est oh joué.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, gros? Qu'est-ce qu'il y a? D'un coup, tu cries, je te jure. Si tu vas voir ça, tu vas crier aussi. Oh, oh, il s'est scratché sur le mur, là. Attends. Hop, je prends en photo. Non, attends. Pas celui-ci. Allez, vas-y. Non, c'est pas ce passage-là. Je me suis trompé de timing alors. Sinon je vais directement. Sinon je vais directement sur YouTube. Hein. Je me suis pas trompé quand même. Non, pourtant c'était bien. Ah voilà, non, non, oui, c'est bien ça, c'était bien 39. Donc je vous laisse voir. C'était pas 49, c'était 39. J'avais bien raison. Je vous laisse voir cette partie et vous allez dire. Vous verrez ce que. Enfin, je vous dirai ce que j'en pense. Moi. Je vais pas mettre sur moi un red blanc. Il y a 2 lives par semaine, les gars. Non, de base, c'est un seul live. Mais là, exceptionnellement, ouais. On a fait un deuxième. Ah, c'est une belle son. Comment ça? Éloigne-toi, je prends photo. Là, cette fois-ci, je l'ai pris en couleur. Merci, Yvon. Tiens, regarde. Tiens. Oh, regarde. On dirait pas une dame. Une dame petite de taille. Tu vois là? Ouais, une dame. Et là, juste en face. Juste là-bas. Juste là-bas. Alors, l'erreur. Voilà. Ils ont commis. Bizarrement, il s'accroupit. Voilà. Vous voyez qu'il est accroupi. Il regarde son truc. Voilà. Vous allez voir que. Ouais. Et il y a plein d'enquêteurs et des bunkers qui n'ont pas vu ce passage. Que moi je suis tombé dessus quoi, direct. L'habitude de lire. Attaque analyste des bunkers et tout ça. Et des bunkers. Et attaque enquêteur aussi. Donc déjà enquêteur. Depuis mes 20 ans que je fais ça. En off, je me suis filmé des trucs, j'ai analysé mes propres trucs. Depuis 2020, je commence à filmer mes vidéos autour. Mais depuis mes 20 balais, j'ai l'habitude d'analyser les choses. Donc c'est une habitude. Hein. Vous allez voir. Je vais vous expliquer. Là, c'est. Bon, il est ici. Là, cette fois-ci. Alors, en fait, la photo qu'il va montrer, la photo qu'il avait pris lui-même, au moment où il avait pris la photo, en fait, si vous regardez bien, il était accroupi. Voilà. Il est accroupi, il prend la photo, paf. Et vous allez voir. Bizarrement, ça lui ressemble vachement. Ça lui ressemble vachement à lui. Et je veux dire pourquoi on voit son reflet dans l'objectif de la caméra. Tiens. Voilà. Alors, on voit son bras qui tient le téléphone. On voit son autre épaule ici. Bon, ça c'est un pixel qui s'est mis au milieu, je suppose. Et là, on voit que c'est comme quelqu'un qui t'accroupit. Alors là, on voit, on dirige un pouce, hein. Ce sont les genoux. Là aussi, genoux. Et je pense qu'il avait pris la photo quand il était juste accroupi. Parce qu'après, on le voit avec le genou par terre. Donc, vu qu'on voit pas mal. Non, on voit bien, on voit très bien même. Non. On a sa jambe, le genou, le tibia, et on voit la cuisse là, et le genou par terre posé. Voilà. Donc, je sais pas si on peut changer la couleur. Et vu comment c'est foutu là. Je crois qu'on va laisser comme ça en fait. Hein. Attendez, hein. Je vais essayer un truc. On va essayer un truc. Bon, ça, je sais pas si on va le zoomer.
Si, on va le soulever quand. Hein. Voilà. On voit le genou là. On voit son petit genou. Et derrière, comme si vous voyez la jambe posée au sol. Ou l'inverse, je peux dire plutôt le. Enfin, on voit que c'est le bas de son corps. Hein. Là, on voit son bras qui tient le téléphone là. Voilà, on voit bien là. Voilà. Là, on voit sa tête. Hein. On voit son bras plié là. On voit son genou posé au sol. Voilà. Là, on voit votre jambe, la cuisse qui fait ça. Le genou et le tibia. Voilà. Et on voit qu'il tient le téléphone. Et là, bizarrement, il prend une photo. Et qu'est-ce qu'on voit sur son truc? Ça devient une entité. Pour moi, c'est lui. Je veux dire pourquoi c'est lui. Voilà. On va revenir à la couleur initiale. Oh merde. Alors attendez. Vous allez voir quand il finit de montrer son truc là. Ouais, c'est pas. Voilà. En face de lui, il y a quoi? Ceci. Ce fameux carrelage là. Voilà. Donc, avec son téléphone là. Et le mec derrière qui filme. Parce que il y a une caméra l'autre aussi, je crois. Ça il y a l'éclairage hein. Donc ou la lampe son frère derrière, ouais, c'est plutôt sa lampe, la lampe projecteur, l'ombre fait le reflet de l'enquêteur contre le carrelage et du coup ben, la caméra du téléphone capte hein, son reflet sur le carrelage hein, qui apparaît en tant que source chaude hein. Sur le téléphone quoi, c'est pas mal. Donc ils sont fait courir là, c'est tout. Voilà, d'ailleurs je vous remontre la preuve hein. Hop, on vient là, on va voir hein. on voit bien sa position. Là on reconnaît l'encadrement de la porte, au fond c'est le carrelage que je vous disais. L'ombre de lui qui refait ce carrelage capté par l'objectif. Voilà. Vous allez voir la preuve que je vous dis qu'il est à genoux. Voilà. Il est en face de l'entrée. Voilà. Le genou que je vous disais. En fait, il n'est pas tout à fait par terre. Hein. Mais on va dire ça. La jambe comme ça, le genou, voilà, et l'autre jambe, le genou vers le haut et le tibia. Et voilà, tout simplement. Et c'est son reflet qui est là-bas. Son crâne qui dépasse à peine au-dessus de son truc. D'ailleurs, il n'a même pas de. Il n'y a pas de lampering. Hein. C'est ça en fait. C'est ça en fait qui éclaire à lui et qui projette en face. Donc, est-ce qu'il a posé ça ici volontairement pour que ça éclaire à lui, pour qu'il apparaisse en face hein? Allez savoir. Et bizarrement, le gros carré en fait, que je croyais que c'est un pixel, c'est sa main avec le téléphone et tout ça, qui fait carré. On voit sa tête qui dépasse juste au-dessus, que nous voyons ici. Voilà. Ah, c'est pas précis, hein. Voilà. Comme je vous disais là. Une dame, une petite, voilà. Une dame petit détail. Tu vois? Son téléphone et les mains qui fait ce gros carré. On voit. C'était où déjà? Ouais. Voilà. On voit sa tête hein, à peine dessus de son bordel là. L'épaule, la cuisse, le genou. Le tibia qui est légèrement de travers, le pied et la jambe qui est par là. Voilà, on voit bien le truc. Là. Et voilà pour aujourd'hui. Courte vidéo. Donc, voilà. Et un petit truc aussi, quand il y en a qui viennent s'abonner à la chaîne, ne vous abonnez pas, c'est pour vous barrer. Quoi. Ce côté, vous passez, vous cassez. Vous abonnez pas, ça s'arrête. Voilà. Donc, pas la peine de s'abonner pour partir froid.
Bon, je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine, et cette vidéo sortira d'ici peu. La dame, il y aura un casque que c'est sur la dame noire et d'autres vidéos juste derrière. Voilà, la dame noire est en cours de montage. Hein. Et vous allez voir que bizarrement, je vais sortir une vidéo sur la dame noire et tous les enquêteurs, tous, enquêteurs ou d'autres styles de contenu, vont parler de la dame noire. Voilà, ils vont faire des vidéos réac sur la dame noire. Les enquêteurs, bizarrement, ils ont tous des dames noires. Vous verrez, je vais les inspirer, quoi. Une nouvelle créature dans le game, quoi. Voilà. Bizarrement, vous allez voir. On va voir des dames noires de partout et ça va débunker, gros, quoi. Alors, c'est sûr, s'il y en a un qui sort une dame noire quelque part, je débunk direct. Ça, c'est garanti. Même un réac, il aura droit. Ça, c'est sûr. Bon, je vous dis à la prochaine. Un coucou à tous mes soutiens, abonnés, modos, admin et les enquêteurs où j'ai fait connaissance récemment là. Merci à eux et les anciens enquêteurs et tout ça. Eux sont sérieux au moins. Si moi je suis ami avec les enquêteurs, c'est pas pour rien. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao!